Heureusement qu'il peut compter sur le soutien de certains membres de sa famille car le prince Harry est aux prises avec une nouvelle polémique. Si les nouvelles rumeurs ne touchent pas son couple, il semblerait qu'elles concernent son engagement professionnel. En effet, alors qu'il a signé un contrat à 7 chiffres avec BetterUp, une entreprise spécialisée dans le coaching de vie, le quotidien britannique Mirror révèle ce jour que 16% des employés ont été remerciés depuis le début de l'année et que personne n'a eu affaire au prince Harry. Certains s'interrogent même sur le rôle précis qu'il est supposé jouer au sein de leur entreprise. Chaque article mentionne son rôle chez BetterUp puis se poursuit par une critique concernant son couple. Point. Le jeûner ne vaut pas la chandelle, confie un employé au journal. Un rôle plus que flou au sein de l'entreprise en mars 2021, le père d'Archie et de Lilibet était engagé chez BetterUp en tant que directeur d'impact. Un statut bien flou mais une motivation de départ assez visible puisque le duc de Sussex avait, à plusieurs reprises, mentionné l'entreprise lors de conférences de presse et affirmé qu'elle faisait partie de ses motivations pour se lever le matin. Une motivation qui ne semble plus vraiment d'actualité. Le personnel n'avait aucune idée de la contribution de Harry à l'entreprise, affirme une employée à nos confrères. Et à la question de savoir quel est le degré d'implication dans l'entreprise du mari de Meghan Markle, la réponse ne se fait pas attendre. D'après ce que je vois, je dirais zéro. Pourtant, lors de son entrée au sein de BetterUp, il avait été dit en conférence de presse que son rôle serait de guider la mission sociale, de développer la communauté mondiale et d'influencer la vision de l'expérience de nos membres, en apportant un pouvoir de croissance professionnelle et personnelle à des personnes partout dans le monde. Une charte de départ plutôt claire mais qui pourrait ne pas avoir été bien respectée. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, JLPPA.